got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Bonjour tout le monde, c'est SVLCH3 sale chez Cheon Trex Velon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas de beat, pas de freestyle, mais pour vous annoncer un truc vraiment lourd, lourd, lourd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je commence officiellement avec le tuto FL Studio, tuto, bon, prise de voix en général. Donc, ce sera pas un tuto, ça sera pas un tutoriel dans lequel je vais vous présenter mes packs. Je sais que vous êtes gourmand, vous voyez déjà mes packs, non? Je sais que vous êtes très très gourmand. Non, mais ça sera plus un tuto dans lequel je vais vous parler de l'ensemble des tutos que je vais faire au fait. Au fait, je ne ferai pas un seul tuto, je ferai plusieurs tutos comme vous le savez. De plusieurs types, je vais faire des tutos sur la composition, comment faire un beat de A à Z, souvent comment faire un beat en 5 minutes, ça dépend du genre de tuto que je vais faire. Je vais faire aussi des tutos sur la prise de voix, avec des matériels que j'aurai très très bientôt. Je vais aussi faire des tutos sur le mixage de voix, le tout ce qui concerne la production de la musique de A à Z, quoi. Et avec notre bien-aimé FL Studio. Ok, donc cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter mes packs, je vous l'ai déjà dit. Cette vidéo n'a pas pour but aussi de vous... Oh, au contraire, bon, j'ai presque rien à dire là. Je vais vous présenter quand même mon interface FL Studio. J'utilise FL Studio 12.0.1, je pense. Hein. J'utilise FL Studio 12.0.1. Dans l'interface, se présente comme par défaut. View, Arrange Windows, Desktop, Default. Je travaille comme ça. Avec le pack, mes packs d'ici, le browser, avec bien sûr, avec le truc, la table de mixage ici, ma table de mixage préférée de FL Studio, le format se présente comme compact simple. Il y a aussi le pattern là où tu composes tous tes beats et tous tes battements. Il y a le piano roll là où tu composes tes mélodies. Et enfin la playlist. Ça, c'est le moteur même du jeu, en fait. Pas du mixage, mais de la composition. Parce que quand tu composes avec le pattern, tu viens mettre le tout dans la playlist pour en faire un beat complet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je sais qu'il y a certains qui vont se voir un peu dénigrés par rapport au tuto parce que ceux qui ne sont pas producteurs YouTube n'ont pas vraiment... comment dirais-je? N'ont pas d'intérêt vraiment à voir mes tutos. Bon, généralement, c'est ce qu'ils pensent, mais je dirais que non. Pour ceux qui sont producteurs youtubeurs, pour ceux qui ne sont pas producteurs insolites, vous serez tous satisfaits. Parce que juste après le tuto, par exemple, si je fais un tuto de beat aujourd'hui, un tuto de comment faire un beat en 5 minutes, de comment faire un beat complet de A à Z, avec le mixage et tout, je posterai juste après le beat sur YouTube. Je poste le tuto avant et juste après je poste le beat en fait. Donc pour ceux qui sont des producteurs ils seront satisfaits et pour ceux qui ne sont pas producteurs ils seront satisfaits du beat ou du son que je vais mixer, que je vais vous balancer sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Et n'oubliez pas, j'ai aussi des comptes Instagram, des comptes Facebook, des comptes SoundCloud. Bon, je vais avoir un compte Spotify dans peu de temps je pense. Abonnez-vous. À ma chaîne YouTube, bien sûr, c'est SVLCH3. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la petite cloche de notification, ma gueule. Je pense que je dégame sérieusement maintenant. Activez la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes notifications après avoir publié une vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Je pense que c'est tout. Hein. Commentez, ça me ferait toujours plaisir. Et je mettrai dans la description mon compte Gmail. Vous pouvez me joindre au tzchalsalche@gmail.com. Si vous avez des suggestions par rapport à ma vidéo, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne la prise de voix, tout ce qui concerne la composition, beatmaking en général, je suis là pour vous aider. Je mettrai les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, posez-les-moi, je suis là pour vous. Et bon, je pense que c'est la fin. N'oubliez pas de vous abonner toujours. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et pour la prochaine vidéo, je vous réserve vraiment du lourd parce que ce sera la deuxième vidéo. C'est la première vidéo dans laquelle je fais la présentation de mes tutos. La deuxième vidéo sera un tutoriel sérieusement parce que je sais pas, je vais essayer de voir si je vais composer un beat de A à Z ou si je vais voir. Si je vais vous présenter mes packs. Mes packs, les voilà, j'aime beaucoup mes packs. Salchez Samples and Drum Kit.
C'est 2 ans de téléchargement, pas comme ça, je pense. 2 ans complets. Ah, je vais tous les présenter, vous voyez, des trucs que vous connaissez déjà pour ceux qui sont producteurs. Et pour ceux qui ne sont pas, vous serez satisfaits, je vous le promets. Alors, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.